Hydraulique auxiliaire drive. La motricité réinventée. Le nouveau système hydraulique auxiliaire drive est une aide au démarrage débrayable pour les camions à vocation routière qui nécessitent provisoirement une motricité maximale sans impact sur la charge utile ni sur la consommation de carburant. Ce système combine les avantages d'une transmission classique à ceux d'une transmission intégrale. Il fait appel à des moteurs débrayables logés dans les moyeux de roues avant pour générer une force de traction supplémentaire sur les terrains difficiles. Les distributeurs hydrauliques rotatifs dans les fusées d'essieux évitent tout enroulement des flexibles hydrauliques haute pression au braquage des roues et garantissent ainsi une fiabilité durable du système. La pompe hydraulique haute pression, entraînée par la prise de mouvement sur le moteur, permet de bénéficier d'une force de traction toujours maximale, même lors des changements de rapport. Disposé latéralement, le système de refroidissement de 20 kW évite toute surchauffe du système hydraulique auxiliaire drive, même en cas d'utilisation prolongée. Dans la pratique, les avantages du système sont multiples. Il suffit d'appuyer sur une touche de la planche de bord pour activer le système hydraulique auxiliaire drive lorsque le véhicule est enlisé. Le symbole correspondant s'allume alors en blanc, puis en bleu, pour indiquer que le système entre en action. Grâce à la force de traction supplémentaire générée, le véhicule peut poursuivre sa route sans problème. Lors d'une marche arrière en pente, le véhicule peut être amené rapidement à patiner selon l'état du terrain. Là encore, hydraulique auxiliaire drive facilite le démarrage du véhicule en évitant tout patinage des roues. Le système peut également être activé à tout moment en cours de route. Si l'état du terrain se dégrade, le conducteur peut faire intervenir instantanément le système hydraulique auxiliaire drive pour prévenir tout patinage ou tout enlisement des roues dans le sol. En mode de conduite automatique, le système se désactive automatiquement dès que le véhicule dépasse le seuil des 25 km/h. Le symbole lumineux sur le combiné d'instruments passe alors du bleu au blanc. Dès que la vitesse du véhicule redescend au-dessous de 15 km/h, hydraulique auxiliary drive se réactive automatiquement. À chaque intervention du système pour accroître la force de traction à l'essieu avant, le symbole passe du blanc au bleu. Hydraulique auxiliary drive pèse entre 350 et 500 kg de moins qu'une transmission intégrale classique. Il permet ainsi d'économiser non seulement du poids, mais aussi de réaliser des économies de carburant substantielles.